que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. Puis c'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible? Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu ne disais pas parfois en observant ton ami que c'est toi qui aurais dû être à sa place? Je savais pas très bien ce que j'éprouvais. Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon, ça aurait pas été aussi cruel. Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors? Parce que t'étais mariée. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Ah bon? Pourquoi? Je suis déjà mariée. T'es mariée? T'es avec quelqu'un, je peux pas. Mais même un baiser? Même un baiser, c'est un principe. Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre? Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites? L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement.